Et salut à toutes et à tous, c'est Akatsuki, on se retrouve pour une nouvelle découverte sur la chaîne des jeux du Cygne. Le jeu ce sera Alterium Shift, un JRPG en 2,5D. J'espère que la musique n'est pas trop forte, non ça devrait aller. Il est développé par Drasrey et Modzi qui sont deux développeurs. Voilà, apparemment ils sont vrais que deux pour faire ça. Alors, deux à développer le jeu, mais tout le reste, évidemment, la musique et tout, c'est fait avec des gens. Hein, voilà, c'est pas eux qui ont tout fait non plus. Et il est édité par Gravity Game Arise, que nous remercions de nous avoir fourni une clé du jeu. Donc le jeu se joue à la manette et il serait compatible au Steam Deck. Je dis bien il serait parce que moi j'en ai pas, donc je ne peux pas attester de cela. Il est au prix de 19,50€ et il est sorti le 6 juillet 2023. Il n'est qu'en anglais, pas de français de prévu pour le moment. Bien, on va pouvoir passer sur le jeu. Voilà. Donc là, on voit qu'on a trois persos. C'est normal, ce sera les persos jouables. Alors, des choses importantes à vous dire. Déjà, on va faire une new game. Voilà. Donc, c'est une early access. Donc, une early access qui, évidemment, va s'étoffer. Donc, tout n'est pas disponible. On n'a pas toute l'histoire. Je ne sais pas. Par contre, j'ai pas eu l'info de savoir de combien, à combien de pourcents on était sur tout le jeu. Alors, on va... on n'a pas joué à la démo, donc on va pas aller à l'acte 2, mais bon, ceux qui ont joué à la démo, vous pouvez directement passer à l'acte 2, ce qui est très bien. On nous rappelle les mouvements, donc contrôleur et keyboard. Nous jouerons au contrôleur Xbox. Le temps est venu de choisir. Mais comment faire le bon choix? Et là, donc là, vous allez choisir votre personnage. Donc vous en avez trois. Vous avez le sage, donc qui va maîtriser tous les éléments et se battre avec un bâton. Vous avez Jacqueline, qui se bat à la spear et qui fait du feu. Et vous avez Atlas, l'archer. Donc évidemment, le vent. Alors, il y a trois musiques différentes, ça déjà c'est pas mal. Ce qu'il faut savoir aussi, nous on va choisir Pyra, c'est que il y a une histoire différente en fonction du personnage que vous avez pris. Alors, attention, pas non plus 100% de différence, mais il y aura des choses différentes en fonction du personnage que vous prenez. Donc ce qui nous donne de la rejouabilité. Et après derrière, il y a plein de choses encore à dire sur ce jeu. Parce qu'il y a des petits détails assez intéressants. Déjà, on va pouvoir pêcher. Donc, déjà, meilleur jeu. Voilà. Et en fait, si vous jouez avec l'archer, eh bien, vous avez une discussion avec le maître. Ça déjà, c'est une différence entre les deux persos. Ah, Pyra. Tu as l'air en forme. Non, ça. Si, enfin, ta forme augmente de jour en jour. Ouais, donc, t'as l'air en forme, quoi. Je pense que tu peux prendre un peu de repos. Fais-moi une faveur. Et il faut aller voir le sage et Atlas. D'accord. Donc, on peut courir. Hein, donc, de la 2,5D dont on a l'habitude. Avec plein d'éléments modernes. Notamment des glitches. On en reparlera. Donc. On peut évidemment fouiller toutes les caisses. Hein. Donc on peut voir qu'il y a des arbres. Bravo. Il n'y a rien d'intéressant. On peut. Hein, on peut pas s'asseoir sur ces bancs-là. Faute. Il y a des bancs où on peut s'asseoir. Ok. Est-ce qu'on peut récupérer les armes? Non. On va essayer de voler de l'argent hein, dans les caisses. Ça, c'est logique. Donc, nous sommes à l'école.
Ah, c'est le bureau de notre maître. Il n'y a que des livres ici. Mince. On ne peut pas essayer de voler de l'argent. Il n'y a pas d'argent dans une bibliothèque. Ah, voilà. Des petites jokes, hein. On va pas tout lire, hein, c'est en anglais. Donc, il y a des livres à lire tout de même, si on veut avoir un peu de connaissances. Donc apparemment, il y a eu une invasion des elfes noirs. Toujours les elfes noirs. Hein. Un peu dégueulasse. Hein. Alors que les elfes noirs, ils sont gentils. Hi. On peut continuer à monter. Bien. Ah, des chambres. Ah, c'est le office d'or, c'est fermé. Yes, des chambres, des armoires, une potion, une essence potion et 100 d'argent, merci. Une potion et 50 d'argent, merci. Une potion et 50 d'argent, merci. Ah là, le vol dans les jeux vidéo. Ouais, c'était il y a 30 ans, très bien. Une fleur dans un vase. Rien d'intéressant. Merde, tout est vide. Ah non, je suis dégoûté. Ils ont pris leurs affaires avant de partir. Ah non, on est dans la chambre d'Atlas et on ne peut rien lui voler. Merde. Saloperie. Moi je voulais tout piller moi. Il n'y a pas de... Hein, Pyra, je t'ai dit de partir. Ok, ok, ça doit être important. Laisse-moi te faire une suggestion. Le Gret, le Dolcion t'a dit de venir me voir. Oui. Oui, je suis son bras armé, on va dire. Je suis son petit toutou. Oui, oui. Oui, on va aller voir Atlas, oui. Hello. Ah, je suis toujours tout seul. Très bien. Donc lui, il est pas venu avec moi. Ah, il continue à dormir. Espèce de sac à merde. Je vais piller tes affaires. Merde, tout est vide. Je suis dégoûté. Bon. Alors, il y a quoi ici ? Une sortie. Et là, il n'y a rien ? Non. Très bien. Alors, on va aller faire le glitch tout de suite. Alors, regardez, c'est beau. Hein. Alors, attendez, regardez le glitch. Donc, on peut porter des animaux comme ça, et on ne peut pas courir. Important. Maintenant, si vous faites... Quoi ? Ils ont réparé le glitch ? Non, je ne peux pas le croire. Non, ils ont réparé le glitch ! Non, avant, on pouvait ouvrir la... Attendez. Mais pourquoi j'ai pas la map ? Avec elle, on n'a pas la map ? Parce qu'avec lui, on a une map. Avec lui. On n'a pas la map. Dégoûté. Oui, on devrait practicer, ouais. Je n'ai pas assez fort. Ouais, il faut être plus confident. Hein, tout va aller. Oui, je t'ai toujours supporté, ouais. Tu viendras me voir plus tard. Ah, mais je suis dégoûté. Elle a pas de map. Parce qu'en fait, lui, il a une map. Et donc, on peut glitcher les oiseaux. Alors, on a des quêtes. Il y a une quête, c'est de ramener les oiseaux à la madame. Voilà. Il en reste 3 dans le bas. Alors, si on court à côté des chickens, ils s'enfuient. Voilà. Et en fait, vous avez des petites quêtes ici. Voilà, il faut ramener les petits poulets. Voilà. Et il nous dit de bien walk. Sinon, il s'enfuit. Évidemment, fouiller les caisses hein, pour récupérer de l'argent. Et alors, truc intéressant, c'est que si on se met derrière le panneau, il nous dit qu'on peut pas lire le panneau. Un jeu qui y pense. Et voilà. Et là, on peut s'asseoir sur ce banc. C'est très bien. Cool, de l'argent.
Ah, il faut que j'essaye de vous montrer le glitch. Mais pour ça, il me faudrait l'autre. Il faudrait que je recommence. Pour ramasser des wildflowers. Alors, par contre, par exemple, là je prends le poulet. Je ne peux pas le porter parce que j'ai le poulet sur moi. Donc il faut d'abord que je pose le poulet. Intéressant. Oui, donc, sinon... Alors, le titre alternative, Alterium Shift, pardon, c'est parce qu'en fait, vous avez un pouvoir qui est dans l'Alterium. Voilà. Et en fait, qui vous permet de changer le monde, enfin la perception du monde, et d'être dans un autre monde, qui va vous donner d'autres perspectives dans l'histoire. C'est ce qui est noté sur leur site internet. Et donc ça a l'air trop bien. On va essayer de vous montrer ça. Évidemment, ce sera clairement un jeu que je ferai en complet, en let's play complet quand il sortira en version définitive. Le problème, c'est que là, bah, c'est pas une version définitive, donc ça sert à rien de le faire complètement. Ah ah, je t'ai poulé. Et sachant que, si j'essaye de sortir là, les escaliers tout en bas, c'est la fin de la map. Et en fait, si j'essaye de sortir, le poulet, il s'en va. On peut pas sortir dans le monde avec le poulet sur nous. Le jeu y a pensé. C'est imaginer que dans une autre ville, il y ait une autre quête avec des poulets. Si on arrive à prendre les poulets de cette ville pour les donner à une autre ville, pour avoir plus d'XP. Oui. Oui. Alors, elle est pas sûre que ce soit tous ses poulets. Hein. Une full potion. Très bien. Donc, en termes d'items, on a les potions qui rendent 60% de PV. Les herbes médicinales qui rapportent 30% de PV. Bon, ça, c'est pour pêcher. Une essence qui nous rapporte 60% d'essence. Une wildflower, on sait pas à quoi ça sert. Et une full potion qui nous rend tout notre aetherium et tous nos HP. Donc on a deux skills, un triple shot et une boule de feu. Un slash de feu, pardon. On peut ici voir l'équipement. Donc on voit qu'on a arme, bouclier, casque, armure et deux pendentifs, deux accessoires. On a un statut complet de notre personnage avec un peu son background. On peut save et quitter le jeu. Hop, on a été voir les deux, on va retourner voir notre maître. Oui, mais fighting, oui. Review fighting skills. Voilà, mais on va faire un peu de practice. Alors, c'est un jeu à la TB, hein. Allez, très bien la musique. Je suis bon. Let's begin. Alors, donc on voit là... Est-ce qu'on voit la souris? Oui. On voit ici l'ordre de jeu des personnages. Hein, donc on a bien une timeline. C'est un peu une ATB, hein. Donc, on a une attaque, les skills, la guard, les items et la fuite. Alors, on va direct lui faire un triple shot. Voilà, bouffe-toi ça. Ouais, tu nous fais que 7, mec. Pas de cooldown hein, sur les sorts. Alors, peut-être qu'il y aura des sorts avec des cooldowns. Hein. Aïe, c'est mal, Jackie. Ah non, j'ai miss. Merde. Il prépare. Voilà, voilà. Déjà, il y a des sorts qui ont. Qui ont un temps de cast. C'est la victoire. Bien. Remember to heal up, oui. Oui. On peut se heal dans notre lit. On va y aller tout de suite d'ailleurs.
Wake Sage. Command Sage, it's time. Oh, Pyra. Est-ce que tu allais partir Je suis pas ta mère. Je suis pas ta mère, ok. Mais non, j'allais bien venir. Ah, ok. Ah, donc lui, c'est là ta fiole. Ouais, on va y aller avec... Will you stop passing? Voilà, je défonce la porte. Excellent. C'est bon, je suis réveillé. Allez, on y va. Ah ouais, d'accord, c'est ce genre de perso. On va annoncer la team. Sœur ! Monsieur, nous sommes prêts ! Ah là là, on est arrivé 2 minutes en retard. Tout ça à cause de Sage. Le test le plus important de nos vies. Ah, on va devoir lui tabasser le cul. Très bien. Restez silencieux. Pas de volontaire. Ah, j'y vais en première. Très bien. Mais non, ce sera pas le combat le plus difficile de ma vie. Et si c'était le combat le plus difficile de ma vie, le boss final serait easy. Tiens, un crâne. Petit con. Aïe, j'ai pris cher. On s'en fout, moi je consomme. Hein. Ah ouf! En vite! Une super potion! C'est nul, mec. Ouf. En vite! Je suis dans la spirale de la tourmente. C'est bon. Fire slash! Oh, c'est bon, ça passe. Ah bah non. Pyra, est-ce que ça va? Non, c'est bon. Attention! En français? Pyra, oui. Ah, je dois aller dans son bureau. Et ça, je vais se faire défoncer le cul. Hello Pyra, je suis l'administrateur du test. Ah. Oui, je suis prête. Ah merde, il fallait vraiment étudier. Ah merde. Ah merde, c'est un vrai jeu où il faut vraiment lire les livres. Ah merde. Je sais pas moi... Grunagul, ça me paraît bien ça. Non, Ferrin. Ouais. Alors, le primary element. Earth, Fear, Waté et Wind. D'accord. Quel est le cinquième élément? Le cinquième élément? Bah c'est Lilou. Il n'y a pas. Le spirit. Le spiritisme. L'Ethereum essence parce que mes trucs c'est AE. Quand est-ce que ça a commencé? Mais vous me faites chier avec vos questions. 1132. Qui était le premier? Ah bah voilà, il nous donne les réponses. Le Majordeur.
Ah, je sais pas combien j'ai. J'ai combien? Ah. Merde, il fallait vraiment lire le livre. Alors, est-ce qu'on peut faire le sac à merde et dormir? Ah, merde. Et je suis dégoûté, j'ai claqué deux potions déjà. On va l'attendre. Hey Pyra, je suis sûr que ça va aller. Ouais, ça pourrait être pire. Ouais. Je vais me faire défoncer. Alors, quelle est la raison de mon échec? Ouais, on va aller dans ton bureau à deux. Tu emmènes une élève dans ton bureau. Allez, en plus, il y a un lit. Pyra, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis une grosse merde. J'ai échoué, oui. Parce que je suis un caca. Que se passe-t-il? Je continue à croire en toi, Pyra. Très bien. Ah, la route de la rédemption se fait pas par pas. Oui. Je vais écouter. I've treated you as a leader. Oui, je t'ai traité comme un leader. Maintenant, tu réalises que tu as loupé quelque chose d'important. Apprendre à suivre. On va devenir... Donc on va aller voir le mailleur, enfin le maire. Et on va être... Et on va être un suivant et pas un leader. On va devoir suivre ses directives. Ah, le résultat des tests. J'ai eu 0 pour le combat. Ah, c'est bon. Ah, une potion et 100 balles, merci. Et en répondant au hasard, j'ai eu 2 bonnes réponses. Ça, c'est beau. On peut te voler des trucs, mec. Merde, c'est fermé. Dégoûté. Est-ce que je peux me reposer? Parce que j'ai besoin de récupérer des PV. Et de la magie. Alors. Pyra. Oui, tu étais triste de me voir me faire défoncer. Ok. Ça fait bizarre quand il n'y a plus de musique. Ok, lui, il retourne dormir. Ça fait très très bizarre qu'il n'y ait plus de musique. Alors, le maire, il est où? Ah, et maintenant j'ai la map. Ah bah c'est là-bas que je dois aller, d'accord. Ah ouais, mais merde. Donc oui, j'ai pas pu vous montrer le glitch. Faudrait que je puisse reporter quelque chose. Est-ce que je peux te reprendre un poulet? Je voudrais montrer le glitch au viewer. Faudrait que je vous montre ce glitch. Alors, qu'est-ce que je peux t'acheter? Ok. On dit ce qu'on a, qu'on voit bien ce qu'on a, hein. Le Eld. D'accord. Et en termes d'armes et d'armure. Ah, équipable, personne dans l'équipe. Voilà, et là on nous dit que accuracy plus 1 pour 300 balles.
Armure plus 8 pour 250 balles, donc je ne peux pas acheter les deux. Dommage. Ah non, ça c'est un casque, d'accord. Ah, donc je pourrais avoir plus 16 d'armure avec ces deux armures là. Deep Shield. Ah, plus 5 en défense, ah ouais. Eh mais je peux pas tout acheter, j'ai pas l'argent. Alors là on voit qu'on peut trier. Hein. Ok, donc il va falloir qu'on trouve de l'argent. Peut-être en faisant d'autres quêtes. Ah, on nous dit ce qui s'est fait. Merde, c'était quoi ça? Alton member be advised there has been increase in wild animal activity. Travel in group or under guard. All member of the school must get written permission from Dolcion. D'accord. Ah, tout l'intéresse. Attends. Trade. Ah. Je peux avoir une essence herbe pour 3 feng. Ah, cool ça. Ça c'est très bien. Mais ça. Ah mais ça a pas de valeur. Merde. Je vais les ramasser quand même. Ça va peut-être servir plus tard. Il y aura peut-être du craft. Mais comment je fais pour aller... Ah si, je dois... Ah bah c'est lui le maire. Très bien. Oui. To make them exceptional... Oui. Ah, on doit donner des lettres. Très bien. Et on doit aller au garde-pont. Très bien. On doit aller au garde-point. Ok. Allons au garde-point. J'ai vu aussi qu'il y aura des chocobos à des montures. On peut pas ramasser les fleurs ici, intéressant. Et voilà, une potion, très bien. Alors, où sont les gardes-points? Ah, on voit qu'il y a des lieux de pêche aussi. Mais on voit qu'en suivant cette route, la route que j'ai ici, c'est un garde-point. You need a pass to cross, oui. Mais j'ai une lettre. Une letter from the mayor. Mais oui. Mais oui, c'est important, oui. C'est pour t'inviter à la bar mitzvah de son fils. Des ennemis. À l'attaque. Allez. Non mais ça y est, moi il y a de la musique, moi je suis fou. Alors. Un sanglier ou un loup? Attaquons le sanglier. Elle a survécu. Aïe! Aïe! Ok, deux attaques pour le tuer. Aïe! Aïe! Ah mais lui il faut plus, mince. Trois attaques. Alors, 32, 15 d'année. Ah, bah ben voilà. Un sabot, un feng, et un je sais plus quoi. Ah, mais il y a un petit chat. On peut sauver le petit chat. Meurs, je sauverai le petit chat. Ah, ouf. C'est bon. Il me reste 15 PV.
You found a cat. Ah, quelqu'un a peut-être perdu un chat. On a trouvé un chat. On ne sait pas qui a perdu son chat. Il y avait un panneau, j'aurais peut-être dû lire le panneau. Mais non, regardez. Ah ah, quel talent. Une lettre. Qu'est-ce que c'est? Un giant rock monster. Très bien. Et oui, et le coffre. Ouais, peut-être que je me soigne, non? On n'a pas encore de sort de soins. C'est bien par là, hein? Non, c'était en bas. Pourquoi tu montes alors? Peut-être qu'il y a un coffre. On voit pas le coffre. Ça ne servait à rien de monter. Oui, c'est une lettre du maire. Mais pourquoi? Il faudrait que je te l'ouvre, espèce de tafayole. Bon, ok. Ouais, je vais te l'ouvrir. Tiens, mais ouvre-la, connard. Ah, on peut vraiment jouer un canard. Là, j'aime bien. Voilà. Je t'ai rendu ta lettre. C'est pas à moi de l'ouvrir, espèce de sac à merde. Allô. Allô. Ah non. Ah merde, ça fait sur le dos. Faut que je tue lui en priorité. Voilà. Ok. Il se rebuff. Merde. Aïe. En vite. Aïe. Ok. Et les animations sont propres, hein. Ah bah voilà. Les animations sont très très propres. Moi j'aime bien. Ça me redonne foi en l'humanité. Ah, un petit coin de pêche. Allons pêcher. How to fish. Fishing is a game of tension. Oui. To start, reeling in a fish. Très bien. All you need to do is simply hold the action button. To stop, you simply let go of the action button. Reeling is will increase the tension of your line. Très bien. So it's important to know when to stop. Ok. If you have much tension, your line may break. Oh no. It's impossible. To a little tension, the fish may get away. Ok. On va essayer. Ok, j'ai compris. Faut juste éviter que ça devienne rouge. Ah merde. J'ai pas compris comment on pêche. Bon, on va live. Et on va s'en aller. La pêche, c'est pas pour moi. Je suis pas un pêcheur, moi. Je suis un guerrier, moi. Moi, je suis là pour la guerre, pas pour la pêche. Alors, qui a perdu un chat? Alors par contre c'est un peu bizarre, les escaliers, hop, on a une sorte de dash quand on est dans les escaliers, c'est un peu bizarre. Notre perso il va d'un coup, il va 10 fois plus vite. Un peu bizarre, mais comme ça. Alors. Missing cat. Ah. Fluffy. Back to me. Small red roof near the entrance of the town. Ok. Donc. Après, donc ça doit être cette maison là.
J'ai ramené ton chat, donne-moi l'argent. Merci. Ah, y a des trucs à voler chez toi ? Et là, il y a des trucs à voler ? Attendez, il y a personne dans la maison, vite ! Yes ! Yes ! Des soins ? Très bien. Et là ? Et là ? Loked. Mais t'as une lance ! Tu peux tout casser ? Ça va être ce genre de jeu où on est un criminel en puissance ? Oui. Ouais, moi je pille, hein. Je pille le... Bonjour ? Tu peux te bouger, s'il te plaît ? Voilà, merci. Non, c'est rien d'intéressant. Pas de pitié, hein. Moi, je vole, hein. Ah, je peux pas ouvrir celui-là, marrant. Just a crate. Un empty pot. Un coffre vert. Il va nous falloir de la magie pour ouvrir les coffres verts. Il va nous falloir le magicien pour qu'il fasse du unlock. Bon, le maire, tiens, j'ai fait... Go to Cyclée, in his house, au nord-ouest corner, ok, dans le quartier nord-ouest. Ok. Après, c'est un JRPG, hein, donc ça va être long. En termes de... Pas long chiant, hein. Je parle de long, l'histoire va être longue. Hein. Un JRPG, ça fait 70 heures, hein, ça c'est sûr. Ça fait pas 2 heures. Hein. C'est pas Call of Duty, quoi. Alors, nord-ouest. C'est laquelle des maisons ? Attendez, je vous pille avant de vous parler. Bonjour. Ah, ton mari est mort, c'est con ce qui t'arrive. Ah bah voilà, stop. Je ne peux pas... Bah. Manor Pira. If you may, I come in your... Ouais, vas-y, vas-y. Alors ça pourrait être drôle si des fois... Ah ouais, il y a des gens qui réagissent. Ah, ça c'est cool. En mode... Excuse-moi, pourquoi tu... En vrai, tu regardes dans mon cabinet. So, la puissante Pyra est tombée. Ok. Qu'est-ce que je vais ramener ? 10 Blue Flower. T'inquiète. Je les avais déjà ramassés. Mais je ne savais pas que c'était pour toi. Go sell them at one of the shop. Ok. Mais ils les reprennent zéro, mec. Tu vas pas te faire d'argent ? Alors là, on t'apprend quand même. On t'apprend à ramasser des objets, on t'apprend à vendre, etc. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal fait comme tuto. Euh,
Je viens pour ta magnificence. Ouais. Go back and see me when you... Rid of all of them. Quoi? All of them? Mais all of them quoi? Ça? Je comprends pas ce qu'il demande, ce que je lui vende. Attends. On a moyen de le voir ou pas ça? Non. Écoutez, on va vendre ça. C'est peut-être ça qu'il voulait que je vende. Il m'énerve. You just don't get it. You should have no will flower. Ah d'accord. Ok, j'ai compris. Very good, I'm glad to see you're learning how to follow directions. Grave that plate on the table. No. Don't give me the plate. What I'm going to do? Il se fout de ma gueule? Laquelle de chaise? Not quiet, a little more. Non, non. Mais il m'énerve! Je vais lui mettre deux claques. Come grab this note and take it to Mayer. Ok, il s'est foutu de ma gueule. Je vais lui mettre deux claques. J'ai une lance, mec. Clay, say you're adéquate. Ah, très bien. Sage was never my favorite person to talk to. Ok. Come see me once siège. Ok, on doit aller voir Sage. Qui va être dans son lit comme d'habitude. Tête de bite. Finally, this with the Mayer and Clay. Hein. Pira. Tu ne comprends pas que je sais tout ce qui se passe. Je me passerai de tes jeux. Bah oui, j'ai pas de fun. Ouais. Trois médicales herbes et une potion. Probablement une revival potion. Deux revival potions. c'est ta liste de courses?
Point médical, une potion, une essence potion et deux revival potions. Attends. Potion, j'ai. Essence potion, il nous manque deux revival potions. D'accord. Mais en fait, ils me prennent pour leur larbin, quoi. Attention, je vais m'énerver. Mais ça coûte cher. Se foutre de ma gueule. Ça coûte si cher. You can wrap this up. Okay. Putain, il m'a volé tellement d'argent. Je vais le tuer. Je vais faire en sorte qu'il meure. Ah, il doit être dans sa chambre. Ah bah ils sont là. Ça je dans un de ces. D'accord, donc il a l'air d'avoir un peu de. Je faisais un entraînement avec Dolcion. Ah ouais? Bah oui, c'est un extra trading. I'm really not looking forward to this. Je ne sais pas. Oui, tu as raison. Il m'aime bien. Oui, va rejoindre Sage. Welcome back. Ah, il va apprendre d'autres skills. Merci. Ah, oui. On va pouvoir casser les cailloux ? Oh, quelqu'un... Mais oui. Ah, je peux casser les cailloux ! Casser les cailloux maintenant. Ah, on doit aller à une invasion de bêtes agressives. On va pas échouer. Allez, on y va. Donc c'est où que je dois aller? Tout à droite, ok. Finissons le tuto. Nya. Nya. Alors, par contre, si il faut lire souvent les livres, ça peut peut-être être embêtant de pas savoir lire l'anglais.
Ah ouais, moi ça, j'ai pas trop de difficultés avec l'anglais, mais... ça dépend le niveau, mais là ça a l'air d'aller au niveau de l'anglais. Mais ça peut rebuter certains, je le sais. Ah yes, level up, jump strike. Alors, ah, ça nous rend tous nos PV et tous nos AE de level up. Ah, donc ça pourrait être intéressant de voir si on va bientôt level up de tout claquer quoi. Mais on m'a dit d'aller là. Non, c'est au sud, merde. Alors donc, il y a un rip-up des monstres. Il a fui. Ok. C'est donc un lâche, ce loup. C'est bien par là. Ouais, je crois, ouais. Bah, lui, il me laisse passer. En avant. Alors moi, ça me parle, hein. Les graphismes sont très beaux. Très belle musique. Je sais que ce genre de jeu ne peut pas parler à tout le monde. Mais c'est clairement un jeu où je vais passer du bon temps. Il y avait un monstre caché derrière... derrière une... Ah oui! Derrière une pierre. Ah oui, d'accord, on les a défoncés là. Bon, après on a fait un crit, mais... Ah bah voilà. Ah, je peux pas encore casser les gros rochers. Casser que les petits. Il va y avoir des choses cachées. Il va falloir utiliser tous les pouvoirs. Et donc ça, à mon avis, les coffres, c'est pour le magot. Et il va falloir utiliser le bon sort. Genre vert, les coffres verts du vent, des trucs comme ça. C'est à quoi ça me fait penser en tout cas. Ok, il y a des abeilles. Alors à mon avis, attention aux abeilles. Parce que les abeilles, ça peut empoisonner à mon avis. On va jump strike sur lui. Vas-y, dégage. Quoi ? On va te casser la bouche. Très bien. Allez. Ah mais non, j'ai envie de faire le début de chaque perso. Vu que c'est pas le même. Mais si. Mais pourquoi? Qu'est-ce que tu fais là? C'est ton challenge, oui. Oui, je vais choisir ma direction. Ah, faut pas que j'échoue, mais je comprends. Good luck. Ah oui. D'accord. Ah oui. Ils sont nombreux. Qu'est-ce qu'il y a par là? Des cailloux. Oula, il y a un géant.
Ok. Bah... Let's go, hein. On a pas le choix, hein. D'accord, ça commence bien. Je me fais défoncer. Mais si je pouvais éviter de louper une attaque sur deux, ce serait bien. Ok. On va soigner quand même. Hein. Allez, dégage. Faut que je garde des AE pour le boss, hein. Yes. J'aurais pas tardé à level up, non? Non, c'est pas ça que je voulais faire. Ok, 23. Ok. Donc on peut y aller. Merde. Les abeilles, je les ai pas affrontées avant. J'aurais peut-être dû. Allez. Allez, que. Ce sont des hornettes. D'accord. Aïe, aïe, aïe. C'est mis hâte. Salaud. Fire slash. Se remet hâte. Très bien. Yes. Level up! Donc là on est d'accord? Oui! Ah, le vieux! Ah, le camp site! Très bien! Ah mince, je dois choisir mon chemin. Donc j'ai peut-être pris le chemin du petit sexman. J'ai pas affronté le gros boss. Oui, on va se rest, se reposer. Visite le camp, oui. Ah donc on aura des sites de feu de camp comme ça, très bien. Avec des choses. Peut-être des objets à craft et tout en fait au final. It's time for real challenge. Très bien. Ah mais on a lui avec nous. Très bien. Pareil combien qu'il meurt. Oh, un cristal. Les musiques sont belles, hein. This is concerning. Très bien. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une boule dans l'eau. Enfin, au-dessus de l'eau. Il a été activé depuis un moment. T'as besoin de réfléchir. Ok. Mais il y a une boule là. Elle est prête, je peux le sentir. Pyra. Viens ici. Ouais, j'ai un pouvoir, ouais. Mais on l'a confus, d'accord. Je vais devoir regarder ça. C'est un ancien Aelterium amulette, d'accord. Ah, donc lui c'était un mec qui faisait ça, d'accord.
dois prendre l'amulette, d'accord. D'accord. On a une affinité avec l'amulette, d'accord. On discutera une fois qu'on t'aura mis l'amulette, d'accord. Ah. On s'est fait défoncer. Relève-toi, Pyra. The Water Serpent. Oui. Ah, il va être résistant de Fire Attack. Mince. Évidemment. Allez. D'ailleurs, on va faire un Jump Strike. Jump Strike. Tiens dans ta fête. Allez. Earth Strike. Power Boost. Jump Slash. Aïe 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 aïe. Ah, on a une Limit Break qui est en train de se charger, oui. Boum. Meurs. Earth Strike. Ah mince, il est résistant à ça aussi. Ah là là là, 88%, vite, vite. Vite papy. Oui. J'ai le pouvoir. J'en ai le pouvoir. Comment on fait? Ah c'est ça. Burst Ability, d'accord. Consume une Burst Bar. Ça veut peut-être dire qu'on aura le droit à plusieurs Burst Bar. Météo Strike. What the... Oh non. Papi. Papi. Aïe aïe aïe. Ah, il est chaud le boss hein. Va peut-être vraiment devoir se soigner. Le boss de tuto va peut-être me... C'est la vie que toi. Voilà, c'est tout. Je n'avais jamais vu. Depuis que depuis la guerre des elfes noirs, d'accord. Le danger pour notre monde est plus proche que tu ne le penses, c'est. L'amulette est le seul moyen de survie. Oui, je vais me mettre vers le shift, d'accord. Ah, elle a des pouvoirs maintenant. Très bien. Oula. The Amulet est de nouveau à pleine puissance. D'accord. Reprends l'amulette. Non! Non! Non, il l'a volé! Non! Oh non! On voit, il y a des petits points. Ah, tu te demandes comment je te vois, hein? Petit con, va. C'est pas moi qui joue, hein? C'est l'ordinateur. Ah oui, il ne peut rien contre nous. Ah, le jump strike avec du feu, oui! Vite. The Dark Elf, c'est lui qui l'a. Oui, on doit récupérer la lunette. Tabassons-le. Ah non, il nous a défoncé. Pyra, l'amulette. Oui, j'ai l'amulette. Oh oui. Il a balancé les pouvoirs. Non. Pas le papy. Non. Ah, le fameux monde shifté. Oh, vite. Mais qu'est-ce qui se passe? Merde, c'est pas du tout la même map.
Je vole, non? Je suis pas tout à fait sur le sol, là. Qu'est-ce qui se passe? Au secours. Merde, je sais pas où est-ce que... Je sais pas... C'est quoi ce rat dégueulasse? Il fait mal. Elle crève. Il est fort ce rat. Ah oui, non mais c'est du bon rat là. Il me défonce. Je le fais défoncer par un rat. Parce que... Yes. Fury Strike, très bien. C'est pas ça que je voulais faire. Je pense qu'il faut aller dans la caverne. Merde. Je me perds dans une forêt. Les forêts du chaos. Au secours ! Un coffre ! Je coffre. Mais c'est un champignon vivant. Au secours ! Ils sont dégueulasses ! Boum ! Sport. 4 dégâts. Confuse. Ah merde. Ok. La confusion s'arrête quand on se tape dessus. Très bien. Ok, donc faire le double Fury Strike, c'est utile contre eux. Cassez-vous. Ils ont de la vie. C'est quoi ce monde dégueulasse? Cassez-vous. C'est quoi ce jeu? Où les mecs sont hyper puissants? Au secours! J'ai rien à foutre là! Pourquoi je suis là? C'est quoi ces conneries? Au secours! Non, pas lui! Où est-ce que je suis? Vite, casse ça. Casse-le. Faut que j'aille là-dedans. Faut que je me casse avec ça. Oh, vite. Ah, oui. Rester sur ce chemin. Ah oui, d'accord. Donc le jeu sait que vaut mieux que tu te... D'accord. Ah merde, il m'a vu. Il m'a vu, au secours. Au secours. Ils vont me défoncer. En vite. Voilà. Non, 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 non. Résiste, résiste, résiste. Merde. Vas-y, oui, ok. En me tapant, il m'a enlevé la confusion. Vas-y, bute-le. Merde! Au secours! Ah merde! Il est tellement résistant! Okay. C'est bon. Ah! Merde! Ça se soigne, saloperie.
Au secours, il faut que je me casse. Mais ça a servi à quoi ce que j'ai fait? À rien. Attendez, là ça m'a soigné. Atlas. Ah, ça c'est pas mal ça. En fait ça c'était un de mes tests que j'avais fait. J'avais pas vu qu'on pouvait sauvegarder. D'accord, ça ce sont des points de sauvegarde, d'accord. Ah oui, donc je peux vous montrer le glitch. On va vous montrer, je vais vous montrer le glitch. Regardez ça, le glitch. On va exit le game. Et on va continuer. Et on va voir ce glitch. Parce que ça, le glitch. Alors, il me faudrait un poulet. La map. Et maintenant, glitché. Oh oui, je suis glitché. Oh oui. Et là, hop. Et oui, on peut courir. Voilà, voilà, je suis glitché. Voilà, le glitch. Mais il sait que j'ai un, il sait que j'ai un poulet. Hein. Parce que normalement, on va à cette vitesse-là. Et là, je vais plus vite. Je suis glitché. Oui. J'ai réussi à refaire le glitch. Il n'est pas dur à faire, hein. Il faut juste ouvrir la map. Hein. Et si on ouvre la map et qu'on la referme, eh bien on reste glitché. Voilà. Voilà, voilà. Très bien. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais m'arrêter là. Hein. Après, vous avez réussi à vous montrer le glitch. Donc, je suis content. On va s'arrêter là et moi ce jeu m'intéresse énormément. Je pense que je referai peut-être une vidéo dessus sur la chaîne des jeux du cygne bientôt. Alors quand, je ne sais pas, mais il y aura au moins la suite. On va essayer d'aller jusqu'au chapitre 2 pour commencer l'early access et on avisera à ce moment-là. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, bye bye.